Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du parc de sortie pour vos souris. Donc le parc de sortie, c'est le lieu où les puces vont pouvoir découvrir des nouvelles choses ou des choses qu'elles n'ont pas particulièrement dans l'habitat. Donc on peut avoir un enclos ou une pièce sécurisée. Alors pour les souris, étant donné qu'elles se faufilent assez facilement, je vous conseille un enclos sécurisé. Donc vous avez plusieurs modèles. Vous avez le parc Songemic, le parc Arizona. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, bien sûr. Donc, dans le parc, on peut disposer différents bacs à creuser, par exemple le rafle de maïs ou tout simplement de la litière avec un peu de surlitière, humus de coco ou copeaux de coco. Différents accessoires comme les tunnels, des tissus un peu différents, du rotin par exemple, de quoi grignoter, des cabanes. En gros, un peu ce que vous voulez, puisque c'est sur souris. Donc, le parc de sortie permet aussi d'apprivoiser vos souris. Alors, pour certaines, ça les stresse énormément, mais dans ce cas-là, il faut faire au début de petites sorties de quelques minutes, puis allonger au fur et à mesure si elles en ressentent le besoin. En général, les souris explorent assez facilement, donc pas de souci à ce niveau. Le parc de sortie permet aussi de manipuler un peu ses souris et de leur montrer que se faire manipuler, c'est positif puisqu'elles peuvent explorer un endroit où elles peuvent aller se cacher tout simplement. Les dodos aussi sont assez appréciés des souris, donc en mettre à disposition, c'est une super bonne idée pour le parc. Une fois que les souris ont assez exploré et qu'elles ont envie de rentrer, elles se mettent généralement dans un dodo ou dans un petit coin. Et elles ne bougent plus, c'est un peu le signe pour vous dire qu'elles en ont marre et qu'elles veulent rentrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez dans le parc pour vos souris. À bientôt pour une prochaine vidéo.